parce que nous avons fait tout ça capable de bander nous pour capable stable et pour finir stable avec l'émission. Et avec nos grandes piles d'activité pour stable pour l'internet, ça fait nous beaucoup finir stable avec un dossier à émission. Nous mais là vous pouvez parce que nous avons pas occupé ouais la joie sous cœur, ça tout bien. Est-ce qu'on aime Jésus, hein? Je dis à nous d'apprendre un enseignement, un bon enseignement, qui c'est bon berger nous. Bon berger nous. Qui est-ce qui berger? Qui est-ce qui berger? Est-ce que c'est l'Éternel qui berger? Qui est-ce qui bon berger pour vous? Et nous connaissons bon berger ça. Les babes et puis les babes qui te lui ont dévoré. Depuis c'est l'Éternel qui berger vous. Il n'y a pas qu'à faire rien. Vous avez inquiété. Sauf que pas bon Dieu doit sous la vie. Pas bon Dieu doit sous la vie. Pas bon Dieu doit sous la vie. Même l'église, vous pouvez vous dire oui, mais pas bon Dieu doit sous la vie. Si l'Éternel c'est bon berger, il est vrai, pas bon Dieu toi, pas limite bon Dieu. Il faut pas bon Dieu seulement cager le dossier, non, il va pas cager le dossier. Est-ce que bon Dieu va qu'il doit sous tout le corps? Bon Dieu qui doit sous toute la bounette, pas bon Dieu doit sous. David est un bon berger, David est un bon berger. Mais c'était bon caractère, mais c'était aimé, mouton lion. Il n'y a pas de quitter le lion dévoré. Il n'y a pas de quitter le lion dévoré. Mais c'est une stratégie parce que c'est le lion qui est sous compte lui. Et le lion a dit que le lion est sous compte David. Il était là sous compte David, il était nourri. Il était obéissant. Là, David a fait sortir le bataille avec l'eau. Il était dans la ligne, il n'a pas quitté le chemin. Mais, je ne sais pas si c'est qui ça, oui. L'Éternel va se dire que ça côté piège sous la terre quand on a faiblesse, mais l'Éternel va prendre faiblesse. L'Éternel qui doit sous la vie, bah écoute, j'ai passé. Ok? Bah l'Éternel passé. Merci, Benjou. Pas mal. Pas quitter l'église. Pas abandonner. Pas laisser. Pas quitter ça comme bon Benjou. Après tout bagaille, pour bon Dieu, non bon temps, pour mauvais Dieu, mais quand même bon. Reconnaître Jésus-Christ, c'est bon Benjou, c'est vrai Benjou. Dans bon temps, dans bon moment ça, pour le moment difficile, il fini, pour qu'à camper, pour qu'à défendre lui. Parce qu'il ne peut pas quitter le lion, il ne pas quitter Satan, les dames de vous. Il ne peut pas quitter malfaiteur au final. Et quel que soit le problème, quel que soit le trait pour gagner, quel que soit la difficulté que vous avez rencontré, vous l'avez vu. Vous avez un bon berger. C'est l'Éternel des hommes. Est-ce que le berger s'arrive pour nous lier? Est-ce que ça c'est pour vous dire? Vous avez besoin de Dieu. Les moments plus difficiles, vous avez besoin de Jésus. Ah, l'idée de parole, la Matthieu 28 dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au bon moment, je suis capable avec vous, même l'arrivée dans ton bois. Même l'on pas parler encore, là toujours avec vous. Même là, tous les amis qui t'ont là toujours avec vous, ça c'est un bon moment. Malgré des fois, berger sur la terre, il y a une faiblesse. Mais berger l'Éternel là, qui c'est Jésus-Christ, qui a ouvert la porte là, par où passer. Et il n'y a pas besoin de faiblesse, il n'y a pas besoin de dormir. Là, il y a jusqu'à la fin du monde. L'important, c'est nécessaire. C'est l'église, c'est que nous connaissons mon Dieu. Soit souffrir.
si moment est difficile pour vous, combien j'ai éclairé pour soin, combien j'ai, je suis venu droit sur la vie. Jésus l'a décidé sur la vie, jeune fille, jeune garçon, monsieur marié, dame mariée. Jésus l'a décidé sur la vie. Bah, on est soufflé, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on d'accord? Même Bindou, Jésus l'a décidé sur la vie. Ça ne m'a pas passé. On ne peut pas finir mal. Là, on ne peut pas finir mal. On ne peut pas finir dans la honte. On ne peut pas jamais honte. Si vous quittez mon Dieu, décidez sur la vie. Ou qui est mon berger? Je motive tout le monde de l'église. À tout frère en Christ yo. Et tout le monde qui peut gagner Christ dans la vie yo. Et qui peut gagner Jésus-Christ dans la vie yo. Ou qui est un bon berger?